Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Mishmat Nissim Ben Aouda, Sarah Batran Rachel, Shimon Ben Eliyahu Vekuka, ainsi que l'Irfouat Ariakeva Ben Shachar et Raphaël Zulu Ben Chayam Alia Betor Shachar l'Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishmat Nissim Ben Aouda, 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Avot Perikei Mishna Vav. Asara Dvarim Nivreou Berev Shabbat Ben Ashmashot Ve Elouhen Pia Ber, Pia Aton, Pia Aretz, Pia Ber, Pia Aton. והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות. ויש אומרים, אף המזיקין הוא גבורתו של משה, ואילו של אברהם אבינו. ויש אומרים, אף צוות, בצוות עשויה. משנה assez original. Si on la traduit littéralement, elle est très simple, mais on comprend pas tellement le principe profond. Il y a, on va suivre le Tiferet Israël pour donner une petite allure à la Mishnah, ça va donner un petit peu de goût, quoi. Mais il faut savoir, il y a beaucoup de Tosfot Tov, il y a beaucoup de Maharal pour interpréter la profondeur de ce qui est écrit. On va d'abord traduire les mots. Asara Dvarim Nivreou, Be'erev Shabbat, Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées la veille du Shabbat, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre les soleils, au moment du passage entre le jour et la nuit, lorsque le jour se finit et avant que le nouveau jour entre. Ouais, dans la Torah, le jour commence la nuit et se termine le jour. Donc, le passage du sixième jour au septième jour, ça s'appelle Ben Hashmashot, entre les deux soleils, entre les deux astres, le soleil qui nous quitte, la lune qui arrive, qui représente la nuit. Et il y a eu 10 choses qui ont été créées à ce moment-là, précisément juste avant que le jour du Shabbat entre. Ve'eluen, et ainsi sont ces 10 choses. Pi Aretz, la bouche de la terre. Lorsque Korach est venu contester la Keuna, alors Moshe Rabbeinu a dit qu'Hachem va créer une nouvelle créature. Ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas juste la terre qui s'ouvre, et Korach et son assemblée d'Atan Vaviram qui tombent, et leurs enfants, qui tombent uniquement dans la terre. Non, il y a eu une bouche, la terre, il y a eu un trou dans la terre qui s'est promené, qui se promenait, et qui sautait et arrachait, mangeait, avalait Korach et son assemblée. Ou Pi Aber. La bouche du puits, c'est le puits de Myriam, c'est-à-dire, c'est quoi le puits de Myriam? C'était en fait un rocher en forme ronde, comme une ouverture, comme un puits qui a été percé par de l'eau, et donc de l'eau jaillissait de ce rocher, de cette ouverture, et ils se promenaient avec eux constamment, ce rocher. Lorsque le Bénéxal marchait, il y avait ce rocher qui marchait avec eux et qui faisait jaillir son eau. Ou puits à Atom, la bouche de l'ânesse de Bilham. Vous savez bien, dans la parasha de Balak, la Torah raconte que Balak est parti pour maudire les bénis d'Israël, et son ânesse a été arrêtée 3 fois de suite par un ange, jusqu'à qu'à la fin Bilham s'est fâché avec elle, il l'a frappé, et l'ânesse s'est mise à lui parler. Et bien cette bouche-là qui est capable de parler, alors que c'est un âne, alors elle a été créée aussi à, littéralement, elle a été créée Erev Shabbat Ben Hashmashot. On va expliquer exactement qu'est-ce qui a été créé. La bouche qui a été créée, qui attendait en l'air de se faire coller sur un âne, c'est sûr que c'est pas ça. On va expliquer le principe. Vea Keshet, l'arc-en-ciel. Donc à l'époque de Noir, lorsqu'Hachem, si vous faites attention déjà, on commence à comprendre le principe. Il y a eu des miracles de changement de la nature, donc des miracles qui ont été produits dans la suite de l'histoire. La Mishnah nous enseigne, sache que ces miracles-là ont été créés déjà, ont été prévus depuis les Sheshet Yemei Bereshit, depuis les 6 jours de la création, ils ont déjà été créés. Le principe... Désolé, c'est ce qui se passe quand on tombe le matin. On va rentrer tout de suite, voilà. Je recommence. Alors, d'accord, ce sont donc des choses, des miracles qui se sont produits dans la suite du cours de l'histoire. Depuis Ben Hashmashot, ça a déjà été prévu qu'ils seront. Depuis la création du monde, à la fin de la création du monde, ça a déjà été prévu qu'ils se produiront. Ensuite, donc on a eu Akeshet, c'était l'arc-en-ciel. Il y a une part de miracle dedans. Ah, ça, le Tiferet Israël explique. C'est quoi le principe du miracle? C'est que lorsque vous prenez de l'eau avec le soleil, la diffraction de la lumière, elle fait que l'arc-en-ciel se produit derrière. Ouais, si on a les rayons du soleil, l'eau qui tape le rayon du soleil qui tape l'eau, où on va voir l'arc-en-ciel, on va la voir derrière l'eau. Et il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Hachem a prévu un changement du cours de la nature qui fait que l'eau, le rayon du soleil frappe sur le nuage et repart dans le ciel, et l'arc-en-ciel se fait voir dans le ciel. Si ça se produisait selon le cours naturel du
selon les lois de la nature classique, ça aurait dû se produire que normalement, le rayon aurait frappé, il y aurait eu l'arc-en-ciel sur Terre, nous on l'aurait pas vu. Celui qui aurait été dans le ciel, il l'aurait vu, mais nous on l'aurait pas vu. Et il s'est passé donc que le rayon frappe le nuage et repart et se fait voir, se projette et se fait voir sur le ciel lui-même, au-dessus. Sans ça qu'il y a un miracle, c'est comme ça que c'est interprété dans le Tiferet Israël. Véhaman. Aman, bien sûr, c'est la manne qu'on a mangée dans le désert, qui était une nourriture miraculeuse qui tombait tous les matins. Véhamaté, le bâton de Moshe Rabbeinu, qui était en Sanpérinoun, apparemment, ça doit être une sorte de sapir, mais un sapir un petit peu céleste, comme ce qu'on va expliquer ensuite lorsqu'on va parler du Luchot. Grâce à ce maté, grâce à ce bâton de Moshe Rabbeinu, il a produit tout le miracle, et donc, cette capacité, il y avait là-bas le Shem HaMeforash qui était écrit, le nom de 72 lettres des Kadosh Baruch Hu, qui était écrit dessus. Grâce à ça, Moshe Rabbeinu produisait le miracle. Ce bâton, il était miraculeux. Sache qu'il n'a pas, ça n'a pas été un changement du cours naturel, mais ça a été prévu depuis le Shechet Yemei Bereshit, depuis la fin des 6 jours de la création, avant d'entrer dans le Shabbat. Hachem a créé cette capacité de produire le miracle grâce à ce bâton, de changer la nature. Ve'ashamir, le shamir, c'est un petit verre qui permet de, au Beth Amikdash, Shlomo HaMelech l'a utilisé pour tailler les pierres, précieuses. Parce qu'il ne fallait pas utiliser de fer pour tailler. Vous imaginez, construire un Beth Amikdash avec des pierres aussi gigantesques sans utiliser de fer pour les tailler. Comment est-ce qu'on fait avec les ongles? Alors non, il y avait un chamir. Là-bas, on mettait de l'encre sur la pierre. On lui traçait là où on voulait le couper. Et on laissait le chamir avancer. Et il avançait en rongeant la pierre, que ce soit une pierre précieuse, que ce soit les grosses pierres du Beth Amikdash. Et comme ça, il les taillait. Et bien, cette petite créature tellement miraculeuse, elle était aussi prévue depuis Beth Amikdash. Ve haktav, ve amirtav, ve amuchot. Trois choses qui concernent les luchot abrit, les tables de la loi. Alors, il y a eu trois particularités. Il y a eu le ktav, le mirtav et les luchot. Le ktav, il y avait d'abord une particularité. Trois miracles qui se sont produits à l'intérieur de ces luchot abrit. Il y avait tout d'abord le ktav. Lorsque vous prenez une lettre, il y a des lettres qui ont... On va prendre un bet par exemple. Alors, le bet, il faut que je me mette face à vous, donc le bet il est comme ça. D'accord, on a le bet, il a son ouverture à gauche, et donc à droite il a la fermeture, il est fermé, il monte, et il a son ouverture à gauche. À droite, à votre droite, et moi à ma gauche. Donc moi je vois le bet à l'envers. Vous le voyez dans un sens, et puis moi je le vois à l'envers, donc ça veut dire que je me suis trompé, j'aurais dû le faire comme ça. D'accord, c'est comme ça que ça se passe, puisque là, il y a deux côtés. Ce qui se passait dans les luchot, dans les tables de la loi, lorsque on les prenait, on pouvait lire d'un côté, on se mettait de l'autre côté et on le lisait. C'est miraculeux, c'est impossible. Parce que lorsque vous avez un ordre 1, 2, 3, si je le retourne, alors je vais voir le 3, 2, 1 à l'envers. Lorsque je vais voir de l'autre côté, si j'avais une table transparente. Et là, il y a quelque chose qui se produisait, quelque chose de miraculeux, c'est que l'écriture qui était écrite, en fait, on la lisait d'un côté, on passait de l'autre côté, on la lisait. Pire que ça, même des quatre côtés, on pouvait aller la lire. Ça, c'est l'octav. Hamirtav. C'est la forme des lettres elles-mêmes. Il y a des lettres comme le Mem Sofit et le Samer qui sont complètement fermées avec au milieu par exemple on va écrire un Mem, c'est comme un carré. Donc un carré, imaginez que vous prenez une pierre et vous sculptez, vous allez avoir forcément, vous n'allez pas pouvoir sculpter un Mem d'un bout de la pierre jusqu'à l'autre parce que sinon le milieu il va tomber. Et ben dans les luchot, l'étape de la loi, ce même, il restait intégral, donc il était maintenu. Il était maintenu, il tenait en l'air. Vers luchot, alors le Barthénois, il explique que c'était aussi une matière, cette aussi en Sanpérinoun, une sorte de pierre précieuse, du saphir apparemment, mais qui était particulier, qui était souple, qui pouvait se rouler. Je n'ai pas tellement compris comment ça se roulait, puisque... C'était comme un Sefer Torah, j'ai pas réussi à comprendre. En tout cas, elles étaient rondes et souples, apparemment. D'accord? Et c'était Veniglalim Hayu Vechatsuvim Migalgal Chama. Elles ont été Chatsuvim Migalgal Chama. Elles ont été. Leur nature, elle est la même nature que la matière du soleil. Ok? On a fini pour les 10. Si déjà, on va déjà finir toute la Mishnah, puis après, on va expliquer vite fait le principe. Expliqué dans le Tiferet Israël. Mais il y en a qui rajoutent encore trois choses. Af hamazikin. Les mazikin, ce sont des sortes de créatures, des sortes d'anges qui n'ont pas été finis d'être créés, qui sont là en fait. Le Tiferet Israël rapporte que c'est un niveau d'ange très inférieur. Les jnoun de la goulette.
D'accord? On a mis en parler tout le long, les étudiants, ils ont plein d'histoires avec les genoux. Ben, c'est exactement ça. Les mazikin, ce sont des créatures qui viennent et qui nuisent à l'homme qui n'est pas dans le droit chemin. Et ce sont aussi des créatures qui. Les malachés chabalai rapportent le Tiferet Israël. Ukvrato shel Moshe, le lieu où Moshe Rabbeinu, la grotte où Moshe Rabbeinu a été enterré. C'est une grotte aussi miraculeuse que Loyada Ish et Kevurato. Un homme ne peut pas voir entrer dans la grotte où est enterré Moshe Rabbeinu. Là, on raconte que, le Midrash raconte, que si on se met en bas de la montagne, on voit qu'elle est en haut, on monte, on la retrouve en bas, on essaie de redescendre, on la revoit en haut, on ne réussit pas à l'attraper. Donc elle est aussi miraculeuse. Mais Eilo, Shel Avraham Avinu, et aussi le. Comment traduit ça ? Le bouc, le bélier de Moshe d'Avraham Avinu. Lorsqu'Avraham Avinu a fini la quête à Titrak, il a voulu égorger son fils. Le malach lui a dit non, va chercher un bélier. Moshe Rabbeinu s'est tourné, a vu qu'il y avait là-bas un bélier qui avait les cornes, prises dans un buisson, et il a parti le prendre, il l'a égorgé. Et aussi, il y avait quelque chose de particulier, c'est que il était prévu depuis le Shechet et Bereshit qu'il reste Hefker, qu'il soit à 100 mètres, qu'il soit prédisposé pour Avraham Avinu. Alors qu'en général, les béliers, ils ont toujours des maîtres. C'est pas des bêtes sauvages, ça pousse pas, ça grandit pas naturellement. Là, cette fois-ci, il y en avait une qui est restée naturellement. Mais il y en a qui rajoutent aussi Af Tsevat Bitsvat Asuya. De même aussi, la première tenaille. Lorsqu'on veut fabriquer une tenaille, il faut forcément une tenaille. C'est-à-dire, je fais couler, je prends mon fer, je le rends, je le liquéfie, et puis ensuite, je peux lui donner une forme, je peux le travailler, il est souple, je peux lui donner une forme. Mais pour pouvoir lui donner une forme, il faut aussi une première tenaille pour le tenir. Qui a créé cette première tenaille? Si elle a été créée par un homme, comment l'homme a pu créer cette première tenaille? C'est le principe de la poule et de l'œuf. Et la Mishnah vient et nous enseigne, ben, sache que le premier tzvat, il y en a qui disent que le premier tzvat, la première tenaille, a été aussi créée directement par Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. D'accord? Tandis que on rapporte, la Gemara rapporte que Chachamim ne pense pas à ça, il pense qu'on pouvait très bien le faire en faisant un moule, et en faisant couler du fer, et en le versant dans le moule, et du coup ça produit la première tzvat, la première tenaille. Le principe de la Mishnah, expliqué rapidement dans le Tiferet Israël, il est de nous expliquer que le miracle a aussi un ordre. On a déjà d'ailleurs traité de ça dans le 5 minutes éternelles, que l'ordre du miracle, je ne sais plus à quel moment c'était, quelle période, ça ne me revient pas. C'est pas grave, en tout cas l'ordre du miracle, que le miracle s'est expliqué profondément par le Maharal, c'est aussi un ordre pour dévoiler le Kvod Hashem, qu'Hashem dirige le monde pour dévoiler sa présence. Il utilise des fois des miracles qui changent de la nature, mais qui sont aussi programmés par Hashem. Le but de la Mishnah est de nous dire que ça a été programmé. Le Tiferet Israël rapporte maintenant, sache qu'il y a eu plein de miracles tout au cours de l'histoire, des changements de la nature. Mais chaque changement du cours naturel, au moment où la chose a été créée, d'accord, chaque jour, selon le jour où ça a été créé, le premier jour, le deuxième jour, il y a eu, les astres ont été créés le quatrième jour, les animaux le cinquième jour. Au moment où ils ont été créés, Hachem a programmé aussi la capacité de changer le cours naturel à l'intérieur de l'objet, de la chose. Sauf ces 10 choses-là qui ont été, créées juste avant l'entrée du Shabbat, le Tiferet Israël rapporte qu'ils avaient un but de dévoiler particulièrement la majesté d'Hachem, le pouvoir, la puissance d'Hachem qui dirige lui-même le monde. Ils avaient un but. Voilà. Ils avaient un but particulier dans le programme du monde pour dévoiler la majesté d'Hachem, à la différence de tous les autres miracles qui ont été des problèmes techniques, qui viachol. Il y a eu un tzadik qui s'est fait bloquer, que je sais pas moi, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a voulu traverser un fleuve. Alors il a dit au fleuve de s'arrêter. C'était technique pour résoudre le problème de Rabbi Pinchas Ben Yair. Ça a été programmé depuis que le fleuve a été créé, donc au troisième jour, lorsque Hachem il a fait la mer, il a fait les fleuves. À la différence de ces 10 miracles donc, qui ont un but actif dans le programme du monde, dans le dévoilement de la majesté d'Hachem, alors eux, ils sont du Prinat Shabbat. Ils ressemblent, ils ont le même principe que Shabbat qui consiste qui représente le monde futur, qui représente le moment où Hachem va dévoiler sa majesté. Donc ils ont été créés Erev Shabbat, juste avant l'entrée du Shabbat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov U'Seder.